La course hippique s'impose chaque jour un peu plus dans la sphère sportive des régions septentrionales. Cet après-midi du quatrième jour de la fête de Tabaski, nous sommes à la place de fête de Ngaoundéré. Devant un parterre de spectateurs et de supporters, trois courses sont à l'affiche. Le premier course, c'est l'honorable député Ali Bachir. Le deuxième course, c'est Sa Majesté El Hadj Mohamedou Hayatou Issa de la Mido de Ngaoundéré. Le troisième course, c'est son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la région de la Damawa, Monsieur Kildadi Tagege Poukar. À la première course, le cheval Nadia de l'écurie Aliou Modibo décroche la première place. Le cheval Al Maktoum de l'écurie Sarki Bali s'impose lors de la deuxième échéance. Et la troisième et dernière, la plus attendue, a été remportée par le cheval Isnobi de l'écurie Abdourauf Kapo. Songjoke Hayatou Sarki Sadaka est l'un des meilleurs dans la région. En organisant cette course, Sarki Matassa, ou ambassadeur des jeunes auprès du Lamida, a une visée. J'ai organisé cette course à l'occasion de la fête de Tabaski pour encourager toujours la jeunesse de la Damawa. Je suis satisfait de tous les côtés. Un moment de bonheur et de divertissement pour bon nombre d'élites qui sont présents à cet événement. Notre joie sera toujours grande et immense de voir des chevaux. Surtout nous qui avons grandi aux côtés des chevaux et nous faisons partie du club des amis et des amoureux de chevaux dans la ville de Ngaoundéré. Et le cheval sera toujours une fierté et participera toujours au développement et à l'épanouissement des populations de la cité capitale de la région de la Damawa. C'est la deuxième discipline sportive qui rassemble tellement de jeunes après le football dans la Vina. Mais à chaque fois, c'est à la place de fête de l'indépendance que nous faisons des organisations, des trucs traditionnels tels que les courses des chevaux. Je demande au Lamido de Ngaoundéré d'essayer, en collaboration avec le délégué du gouvernement, de créer un site spécial pour les courses hippiques des chevaux. Souffrant d'un manque criard d'infrastructures, le sport équestre attend encore de voir ses jours de gloire. Qui t'a dit de prendre la tête de l'implantation?